Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Pourquoi il y a l'autre juge qui désire pour remplacer magistrat Gary Aurélien qui t'a mené instruction sous assassinat ancien chef l'État haïtien Jovenel Moïse. Doit un tribunal première instance Port-au-Prince a décidé de retirer dossier ça dans le juge Aurélien parce qu'il n'y a pas arrivé à une ordonnance là dans le délai la loi prévoit pour ça. Maître Bernard Saint-Ville souhaitait joindre un juge instructeur pour continuer à avancement enquête ça avant longtemps. Midra Emilias, Max Joseph. Juge Gary Aurélien n'a pas gagné possibilité pour le rendre l'ordonnance de clôture là dans le délai la loi fixée. Et la loi dit laisse arriver, juge d'instruction là pour ordonnance motivée qu'il a pas adressé à doyen à commissaire gouvernement pour justifier le retard. Ça veut dire, mais qui obstacle gagné, qui fait qu'il n'est pas capable de boucler l'enquête là dans le délai qui est imparti par la loi. Commissaire gouvernement qui concerne les situations, il était adressé une requête par le juge d'instruction pour attirer l'attention. C'est ça pour dire, dès est arrivé, trois mois, en plus, il ouvre le juge là pas de pièce ordonnance, ni par le doyen, ni par le commissaire gouvernement pour justifier le retard qu'il a observé dans le traitement de dossier. Mais le juge là, tout de suite après, il a adressé une ordonnance, une requête par le doyen pour demander une prorogation de délai considérable. Nous-mêmes, ça nous dit l'ordonnance, ça nous dit la loi by délai. Certes, nous comprenons que son dossier qui compliqué, juge là, cas par cas, boucler enquête là dans le délai la loi prévoit. Mais comme ce gouvernement a attiré l'attention tout sous formalité irritante de procédure ça, nous disons nous avons des volumes de travail, nous avons des instructions à bien pour le faire. Ça veut dire pas pour arriver à boucler l'enquête là, non, même une prorogation de délai, c'est d'abalil. Mais son dossier qui est important, c'est l'image justice haïtienne. L'état mieux pour ne pas pas fait droit à demander de prorogation de délai. En plus, pour nous demander pour le juge d'instruction, faire ça à la loi, demander. C'est lui-même qui te font demander de prorogation de délai. Dans l'article 7, la loi du 26 juillet 1979 sur la paix de Bélal Mandel, mais le droit est dit tout, il n'y a pas qu'à faire droit à demander. À demander pour le juge d'instruction, faire ça à la loi, demander pour le faire. Pourquoi on a qui crache nous là? Bon, étant donné que le déport est personnel, le déport est volontaire, doit y attendre que j'ai eu d'instruction en fait un geste après le même pour connaître sa police. Si le dossier a venu à nous, je garantis s'il vient venu dès demain, nous avons gardé pour nous si nous avons contacté l'autre juge pour nous qui monte le plus rapidement possible, nous avons distribué le dossier à bail. Déjà pas bon nous. Non, je ne peux pas dire que le dossier a venu, je vais concerter avec le juge pour connaître qui prochain juge qui va se saisir de l'enquête là. Progressiste, Eric Jean-Baptiste dit content devant GFO qui fait dans le cadre d'enquête sous assassinat ancien président Jovenel Moïse. Arrestation plusieurs suspects, c'est une démarche qui montrait dossier malgré un pile retard pour aller dans la bonne direction d'après Eric Jean-Baptiste. À la tête RDNPA, encourager autorité judiciaire fait plus d'efforts pour permettre pays à la famille présidentielle là joindre justice et une façon pour Zach Consa pas répéter encore. Un suivant extrait. Nous-mêmes dans RDNP, nous battons bravo à deux mains pour chaque bon pas qui fait dans le dossier ça. Naturellement, nous avons souhaité que la justice pays nous, qui est même dans la situation sous la grabat, capable de prendre le tour par les cornes pour que les faits dossiers avancent. Nous-mêmes dans RDNP, nous pensons qu'il faut renforcer l'institution pour que nous ne soyons pas obligés à demander coup de main matin, midi, soir dans tout ça, nous besoin régler. Cependant, nous faisons partie de monde-là. Si nous avons des amis prêts, qui est capable de porter coup de main ben non, pour que le président de la République, la famille président de la République, la peuple haïtien, hein, joigne justice et nous-mêmes, nous battons bravo à demain pour ça. Mais est-ce que vous estimez que vous avez fait un effort qui fait pour aller dans le sens vérité capable de sortir sur ce qui est passé dans la nuit 6 pour le 7 juillet? Écoutez, évolution, la justice en lui-même, c'est son bagage qui est extrêmement lente. La justice, ce n'est pas un bagage qui vit de scandale ou de marché pressé. Nous connaissons dans quel état le système judiciaire nous est, c'est-à-dire que ce n'est pas un miracle qui a fait du jour au lendemain, c'est avec lui pour avancer.
nous croyons que gagner des pas et qui passe à nous t'a pas attendre, qui passe à nous t'a souhaité, qui vraiment très loin de ça nous t'a souhaité, qui a fait quand même nous pas capable cracher sur tout les efforts qui fait déjà yo en Haïti. C'est la société qui pour mettre canson dans taille, j'ai le calé, j'ai l'ouvri pour le faire tout ça le connaît pour l'empêcher groupe ça yo influencer la justice. Mais on va être très confiant que Jovenel Moïse a une justice. Ah, écoutez, le monde appartient aux optimistes. Et moi-même, Éric Jean-Baptiste, et moi toujours confiant dans tout ça, m'a entreprendre dans la vie. Mwen. Et si président Jovenel Moïse pas ta une justice, si pas ta gagne un éclaircissement qui fait pour tout le monde comprendre ce qui s'est passé, je vous assure que l'avenir du pays d'Haïti est hypothéqué pour une centaine d'années encore. Ah, mais vous ah non, pour une centaine d'années encore, parce que quel que soit tic-tic-tac-tac, bon, demain matin, nous-mêmes dans RDNP qui aspirait pour nous prendre pouvoir, Éric Jean-Baptiste qui n'a pas l'énergie nationale là, bon groupe qui n'est pas d'accord ensemble avec nous, là, vous voyez, assassiner nous tout. Et c'est suite. Donc nous-mêmes, confiance que nous avons, que faut que les joignent et justice là, c'est parce que nous-mêmes nous toujours à bataille dans quand ça qui bien. Ça nous a souhaité, c'est le meilleur. Et ça qui a fait, c'est le bien. Ok, ça nous a souhaité, c'est le mieux, meilleur là. Ça nous a souhaité, c'est le bien. Et puis, ça n'a goumé qui vous fait, c'est bien hein, qui doit atterrir. C'est-à-dire que nous travaillons, nous goûtons, nous influençons comme leader politique, comme monde qui est capable de des côtés tout pour nous relancer le dossier, capable de des côtés tout pour nous faire pression, nous faisons. Même j'en ai même derrière le micro, je suis sûr que comme journaliste, on fait partie du travail pour là, n'a pas quitté et oublié que Jean-Dominique mourit jusqu'à maintenant, il faut qu'on joue une justice. Mais son coup de main, oui. Ou à baïke la justice là tout pour que Jean-Dominique à toute l'autre rive jouen justice. Yon moun mouri de l'autre jeune arrestation yo, yon zam, 11 cartouches, 3 motos, 3 bonbons gaz propane, yon panneau solaire saisi parmi l'autre. C'est sa porte-parole PNH dans sud là, Pierre Yves, le sage fait qu'on est. Normalement, l'État a présenté bilan opération la police menée dans la commune Saint-Louis du Sud qui est sous juridiction Akin le matin lundi 17 janvier 2022. En suivant extrait. L'opération qui est menée matin est arrivée à interpellation de bandits. Il y a Jean-Louis Kenley, M. Fett, 18 avril 2000. Deuxième, il est Joseph Johnny, qui fait 30 octobre 1987. Et troisième, malheureusement, Joseph Benz, qui est stoppé par l'opération. Mais Franck Zoutou, il a de connivence avec certains Jamaïcains qui ont même tout été pour la fuite avant l'opération. Et la police a saisi plusieurs objets pendant l'opération, ça, particulièrement Zamza Benavadé là, côté jeune avec 11 cartouches là-dedans, et côté de l'habitude utilisée. Il n'est pas capable de braquer les gens, les orangers spécialement. Les gens qui sont plus spécialisés, ils ont braqué les gens, et puis ils volent à Miami, et puis ils barrent les gens pour piller les canons. À côté de ça, nous avons saisi la main, nous avons saisi également un panneau solaire, une batterie, ensuite il y a 3 bonbons gaz propane qui saisit, ensuite il y a 3 motocyclettes qui saisissent dans le moment ça. Et nous avons pris tout. En date 15 janvier de ce passé-là, Cavallon, la police était appréhendée, Gaspard Jean-Éric, qui a 37 ans, qui est originaire de Bayadère, qui lui-même tout est quitté avec 11 âmes dans le mêlée, à bord de motocyclette. Ceci dit, bandit n'est pas dormi, mais nous-mêmes, tout en tant que la presse, nous sommes capables d'aider la police, ensemble avec la population, à jouer une information qui est nécessaire pour nous être capables de mener l'opération à temps. C'est pour ça qu'on a toujours bâti nos téléphones à eux. Pour capable communiquer avec nous, les gens qui ont été marqués dans la zone qui n'ont pas été pour être capable d'informer nous. C'est 38 04 33 33, 36 37 69 27, 33 10 06 05, 33 12 56 78.
Personne pas de droit circuler sur le territoire national là sans nouveau plaque immatriculation. C'est déclaration responsable communication, direction, circulation avec police routière. L'UDR Palius a encouragé tout chauffeur, machine et moto à retirer nouveau plaque paillon, direction, circulation avec police routière ou sinon dans une annexe DGI dans l'idée pour ne pas tomber en bas sanction la loi. Midray Milias, Maxo Joseph, premier extrait. Sous leadership directeur général, là, M. Franz Albe, donc déjà passé instruction avec toute unité dans la police, là, particulièrement direction de circulation et police routière, pour être capable de faire respecter tout ça qui a rapport avec la loi. Et précisément sur la loi circulation pour direction de circulation et police routière. J'ai dit dans le décret 26 mai 2006 là, et que personne machine pas de droit circuler sur la voie publique là s'il pas rempli condition ça à savoir assurance li et plaque li et ça qui relè permis de conduire étant donné que dans année passée yo pour qu'on gagne une nouvelle plaque maintenant depuis en octobre nouvelle plaque là commence à distribuer presque tout côté dans la zone métropolitaine et également en province. Donc il est clair que tous les chauffeurs qui vont rentrer en règle avec décision ça doivent eux-mêmes premièrement faire tout ça au capable pour capable gagner et nouvelle plaque. Il faut dire que direction circulation à police routière a déployé et dans toute zone métropolitaine pour capable et faire respecter et on dit article 34 décret 26 mai 2600 et qui a un rapport avec plaque d'immatriculation. Donc ce n'est pas seulement plaque. Donc direction circulation et à contrecarré toute l'autre infraction qui a un rapport avec circulation routière. C'est encourager Mounio à rentrer dans le DGI pour retirer une nouvelle plaque. Parce que c'est extrêmement important pour nous. Parce que dans le moment ça, nous ne pouvons pas tolérer il y a deux plaques qui en circulation. Donc c'est clair, et c'est un moment tempo pour nous entrer en possession de nouvelles plaques. Mais après ça, de que nous ne pas tomber sous sanction parce que automatiquement la plaque l'a expiré. Donc c'est comme si nous avons circulé sans plaque. Et nous connaissons circuler sans plaque d'immatriculation, c'est une contravention qui est très lourde. Qui est très lourde. Et le bon, on a la pénalité de 12 500 gouttes. Là, nous avons circulé sans plaque. L'autre nouvelle, autorité policière prend nouvelle disposition pour former chauffeur qui tombait en bas sanction la loi. Formation ça a déroulé dans la commissariat Delma 33 selon porte-parole direction circulation avec police routière. L'UDR Palius dit à continuer avec série formation. Parce que pour le moment, nous pour parler ensemble avec des responsables syndicats. Donc autrefois c'est dans l'auditorium dans la circulation nous était qu'on fait et recyclage mais avec les conjonctures qui avaient évolué il y a un peu de monde qui ont déjà fait descendre et dans zone là parce que des fois on a des détonations qui a fait et aux environs donc on a baissé étudier et de nouvelles stratégies pour joindre l'autre local pour nous capables de permettre mon mieux les revenus de la formation pour apprendre à toute quiétude. Mais pour le moment, c'est dans le niveau d'Alma 33, nous cajons ensemble avec l'inspecteur Vital Jonet, lui-même, qui déjà commencé sous question recyclage en permanence pour chauffeur. Nous avons annoncé l'identité avant longtemps par la justice capitale qui sous bicentenaire a délocalisé Jean Autorité au prévoit ça d'après doyen Bernard Saint-Ville. De l'autre côté, responsable tribunal première instance Port-au-Prince l'a souligné, malgré la situation difficile, ça n'a pas empêché l'audience de continuer. Et spécialement dans le tribunal section sud là. Maître Bernard Saint-Ville dit li important pour si la yo qui en prison qu'on ait sa décider sous soyo selon la loi. C'est peut-être ça li encourager tout acteur dans appareil justice là collaborer dans objectif pour la justice ta efficace. Midra Emilias, Maxo Joseph. Zone difficile d'accès depuis quelques années. Nous même audience nous pas arrivé faire pour des raisons de sécurité dans palais de justice Port-au-Prince.
Et dans la dernière assemblée des juges, le juge a dit si toutefois l'exécutif n'a pas garanti la sécurité, nous, parce que tu as délocalisé le tribunal là. Bon, dans toute réunion, nous avons avec l'autorité, ils ont passé en revue plusieurs bâtiments que nous avons dans la tête pour voir si tu as délocalisé par la justice. Il n'est pas nécessaire dans une interview ça m'a dit mais qui bâtiment. On attend l'autorité de mettre tout le bagage en place pour délocaliser par la justice. Jean, depuis quelques temps, on entendait parler de délocalisation par la justice pour le presse. Il semble pas trop loin, mais pour le moment, on va être inactif. Ouais, depuis décembre, mars passé à là, nous organisons des audiences correctionnelles dans le tribunal, section sud de Port-au-Prince. Audience ça va continuer. Et nous avons dit qu'on fait jusqu'au 22, nous allons aller au-delà de 22 parce que nous fixons des audiences pour ces 24 venir là. Même les Haïtiens, nous continuons à faire audience, nous faisons des audiences correctionnelles. Ils n'ont gardé progressivement pour nous essayer d'organiser des audiences criminelles sans assistance du jury. Nous avons l'intention de faire audience criminelle avec assistance du jury, mais le climat sécuritaire n'a pas permis ça. Parce qu'on a un ensemble de formalités pour remplir, pour faire audience criminelle avec assistance du jury. Surtout même jury et tout, il faut que nous tenions compte de la sécurité. Parce que l'audience criminelle, là, c'est sans interruption là, avec jury. Il faut qu'on dès pour commencer, le mettre demain après-midi, l'audience en fini, il faut arrêter là. Et nous connaissons les gens, difficile vraiment pour amener la caillou la nuit. Et ça fait nous pas faire audience criminelle avec l'assistance du jury depuis quelques années. Nous souhaitons le plus rapidement possible que l'autorité résout le problème. Ça, parce que tant qu'on a toujours dit la justice est un service public. Il faut qu'il fonctionne sans interruption. Toujours une infraction qu'il commet, il y a en prison, pas diable. Il n'y a pas qu'en prison, au-delà du temps la loi fixée. Il y a tout. Lorsqu'il y a une audience, soit pour qu'il n'y ait pas de reproche, il faut qu'il y ait la caillou. Il faut qu'il y ait des gens pour délocaliser par la justice de voir le plus rapidement possible pour être capable de fonctionner sans interruption. C'est-à-dire, audience correctionnelle, pour faire chaque jour, au cabinet d'instruction fonctionne en permanence. Pour pas que l'Iran effectif permanent, parce que nous connaissons, Jean-Paul d'instruction criminelle a dit, depuis un monde, il y a connaissance en infraction pour aviser le commissaire gouvernement sur le champ. Le commissaire gouvernement, c'est lui-même qui contrôle les gardes à vue, l'informer à temps. S'il voit son bagage qui est insignifiant, le même jour, capable de disposition, faire mon entrée la calée, ou bien lui organiser des audiences correctionnelles pour mon au moins fixer sous sol. L'autre nouvelle, plusieurs dizaines l'école privée dans la troisième circonscription Port-au-Prince obligée de quitter porte fermée à cause de problèmes d'insécurité. En pile d'élèves qui étaient dans l'école Sayo à suivre cours dans l'autre commune dans mauvaises conditions. Selon le président de l'association directeur de l'école privée, troisième circonscription Port-au-Prince, Paulo James souhaitait aux autorités concernées créer conditions pour l'école Sayo réouvrir pour permettre aux élèves zone ça à suivre cours sans problème. Rodney d'Orléans, Max Joseph. L'école est suspendue fonctionner dans la troisième circonscription à partir de 2020 et 2021. Finalement, que l'école est retrouvée au carrefour, est retrouvée dans le centre-ville là. Disons, l'école n'est pas crasée en soi. L'école est cambriolée certains, mais il a fusionné carrefour et il a fusionné dans le centre-ville là. Gros difficulté que l'élève et tout parent ont fait face, c'est que l'école a fusionné. Par exemple, côté collège Mix en George Washington, parce que l'école Pamna est en face Palmera, dans Matisse 125. Maintenant, nous retirons le Matisse 125 et nous mettons le bon marine haïtienne. Mais l'école l'a fermé avec tout matériel qui en donne. Disons, dans l'espace à côté nous, il y a trois écoles. Ce sont l'école qui est le collège Étienne Jean-Yeti, collège Emode et collège Mix en George Washington. Et on va regarder encore dans Matisse 117 là. Dans Matisse 117 là, il y a trois écoles encore qu'on a qui fusionnent dans Fontamara 33, qui n'ont l'école qui est le Pétion 120. L'école ça y est qui fusionne, c'est le collège Sully Sangloire et la Caraïbe. Finalement, l'école ça y est, mettait tête ensemble pour que qu'on y a là pour bâtir une éducation au rabais. Or, l'école qui admet pour toi l'école ça y est, Vinna Kayo, l'école ça y est pas même en mesure même pour être capable d'absorber quantité de timoun. Or, Vinoué qu'on y a là, il y a trois écoles qui viennent fusionner tête ensemble. Mon cher, nous pas cacher d'où éducation en lit tomber plate à terre dans la troisième circonscription de Port-au-Prince. Et c'est pour raison ça, nous demandons l'État haïtien avec la communauté internationale là, spécialement diaspora yo, qui était passé dans l'école nous en la troisième circonscription pour voir effectivement situation lamentable ça que nous mêmes nous pas capables vivre la donne et nous demander vraiment qu'on y a là pour le monde entier mettez bouche dans bagaille ça. Nous voyons le document par le premier ministre qui a 118 l'école la donne en la troisième circonscription
Cela signifie quoi? Nous besoin une subvention largement large pour nous payer local et pour nous payer professeurs, finalement pour l'école capable de retourner encore une fois dans la troisième circonscription. Fonds assistance économique et sociale FAES déjà distribué 37 000 kits alimentaires pour année fiscale 2021-2022 d'après directeur Lutte contre pauvreté institution. Gilbert Buteau remercie plusieurs partenaires en cours République Chine Taïwan qui toujours baillent contribution. C'est mon région Grand Sud PIA qui plus bénéficie assistance alimentaire ça à cause yoté victime tremblement de terre mois d'avril. Août année passée. Directeur Lutte contre pauvreté Fonds assistance économique et sociale là encourager population pour protéger matériel institution pour capable continuer servir monde qui n'a nécessité. Jocelyn Pierre, Michel Joseph pour extrait. Pour le pays d'Haïti, c'est 60% population qui est en situation d'insécurité alimentaire. Donc c'est seulement 39,9% haïtiens qui n'ont position côté qu'elle capable de manger plus ou moins correctement chaque jour. Ça veut dire que nous comprenons que c'est presque tout pays qui est pour eux avec question de sécurité alimentaire, que c'est dans la zone côté nous vivons en dehors en province, que c'est dans la zone la ville ou bien dans la métropolitaine pour tout presque. Et réalité, ça fait que, ou pas qu'à vraiment dire une zone qui a plus de problèmes que l'autre. Cependant, le mettre sous lit ou venir jouer un choc naturel, ça veut dire que la situation ça revient plus mal que reste population parce que là pour ça même monde qui était capable de manger vient tomber dans position côté lui même tout n'est pas capable de subvenir à besoin et me croire pile dans nous la songer le 12 janvier côté que nous tout nous est sinistré quelle que soit situation côté avant même si tout le monde pas de même capacité pour être tête camper sur des pieds de monde faire ça plus rapide mais là choc la fête vini et bien la conscience c'est presque tout le monde qui est dans situation ça. Et c'est comme ça que pour trois derniers mois exercice 2020-2021 et trois premiers mois 2021-2022, nous avons plus mettre en face une population qui n'a quatre départements qui étaient plus affectés par tremblement de terre. Donc, on a parlé du département Grand-Anse, on a parlé du département Sud, on a parlé du département NIP, on a parlé du département Sud-Est. Et c'est donc principalement la population ça, qui était ciblée pendant six derniers mois qui sont passés là. Mais ça n'a pas empêché que nous connaissons par exemple que le département nord-ouest, surtout au nord-ouest, avec l'Ambrésil et la Tortue, c'est une zone de manière endémique, ça veut dire comme une zone qui est habituée, qui a un grand goût là-dedans. Le département sud-est, qui gagne malheureusement plus de zone, tant que Mabrignol, tant que Bédorange, que nous connaissons habitués à faire intervention, mais qui demande une attention spéciale. Parce que c'est des zones qu'on rejoint que les populations ont plus de difficultés que l'autre. Ce n'est pas que l'autre pas de problème de nous, mais en général, et d'après les chiffres que nous gagnons, c'est là. L'opéra, zone et commune en sapitre, toutes zones ça, c'est des zones qui ont de grosses vulnérabilités. M'a dit population en bagaille, s'il vous plaît, le nouveau matériel FAES, équipement FAES, c'est pour nous lier, c'est pour la population liée. Pas craser, pas agresser équipe, pas bouler matériel. C'est parce que nous avons 4 boulets, nous avons 4 cantines malheureusement boulées dans 4 programmes, dans 4 mouvements sociaux. Nous comprenons que la population a gagné frustration et que nous demandons pour doit respecter et notre travail d'ailleurs pour que doit ça soit capable de matérialiser. Mais nous ne sommes pas capables, c'est le même équipement qui pour nous encore pour nous attaquer, pour nous craser. Parce que c'est des investissements que l'État a fait. C'est la population qui mange. Là, on a quand mobile, c'est le peuple qui mange là-dedans. Donc là, nous avons 4 cantines mobiles qui boulent en seul coup, qui dépatchent, ou bien nous avons 4 camions qui boulent. Eh bien, c'est la population encore qui prend victime parce que c'était un matériel qui était là pour te faire le service. Donc une de grosse difficulté que nous gagnons malheureusement, à part de question de l'argent, c'est la question de sécurité. Il y a des quartiers que nous avons besoin de rentrer. En général, nous toujours jouons une façon, nous entendons avec la communauté. Mais il y a des côtés que nous tout simplement pas arriver et c'est la population qui n'a pas besoin.
Leader Rassemblement démocrate national progressiste, mandé Premier ministre Ariel Henry, publié un calendrier activité qui permet à la population de connaître qui route pays apprend. Parmi les points qui t'a doué dans le calendrier, ça, d'après Eric Jean-Baptiste, il y a une formation conseil électoral, sécurité, assemblée constituante. Puis loin, il encourage différents concurrents politiques qui souterrains pour mettre intérêt collectif en premier pour aider les pays à sortir dans une situation difficile liée jeudi à ensuite. Nous-mêmes dans RDNP, depuis bien bonheur dans le mois de septembre, nous avons fait un chronogramme qui pour mener le pays à sortir dans tous les côtés liés. Parce que nous faisons choix de démocratie. Donc si nous faisons choix de démocratie, nous gagnons des exigences. Parallèlement à la question sécuritaire qui doit régler, parce que tout ça pour atterrir, faut gagner sécurité. Et nous-mêmes, nous toujours disons, il n'y a pas de sécurité parfaite. Nous-mêmes, nous, pour que gagner une sécurité minimale, qui permette que les gens capables de jouir de droits que vous gagnez pour vous déplacer, doit pour vous vivre, pour vous pas tirer son bis qui a passé et avec les gens là-dedans. Nous-mêmes, nous disons parallèlement à la question ça, eh bien, mettez campé sous pied conseil électoral là. Parallèlement à la question ça, mettez campé sous pied assemblée constituante là. Parallèlement à la question ça, le conseil électoral là, l'a dit mais qui calendrier, mais qui l'élection a fait. Parce que c'est un gouvernement, d'ailleurs, vous avez fait ce deal pour la constitution, hein, c'est pour la constitution, hein, où vous avez dit, moi-même, je n'ai pas ajouté, pour les grandes réformes qui ont besoin de faire, c'est un pouvoir qui gagne légitimité, qui est élu, qui sort dans l'élection. Et lui qui a fait les grandes réformes. Et nous-mêmes, dans RDNP, nous avons bâillé le gouvernement Ariel là, en temps de grâce, nous avons temps d'observation. Et tant de grâce à ça, tant d'observation à ça, pour nous-mêmes, les finis. Et journée jeudi, hein, nous allons passer à une deuxième phase. Deuxième phase là, c'est insister pour que le gouvernement Ariel là publie un calendrier, un chronogramme d'activité. Qui pour dire, mais côté nous y là, je dis, hein, mais qu'il en a fini. C'est responsabilité nous-mêmes. Nous avons une deuxième phase là, côté que nous allons insister pour que le gouvernement Ariel là publie un calendrier d'activité. Non mais vous allez insister, ça veut dire que nous avons 11 septembre. Écoutez, en attendant, là nous devons insister pour que le pays a connaître qui côté que l'Ipralé. Eh bien, si M. Ariel Chita là, il y a Maïmon l'école, il n'y a pas de jambes qui ont un calendrier. N'a pris bon côté, écoutez, le bagarre a dû. N'a pas obligé de dire, monsieur Ariel, pays a pas capable. Nous-mêmes, nous toujours pour la stabilité. Mais cependant, il faut avoir un résultat. Et l'autre groupe qui a fait pression, pour même gagné accès à pouvoir. Nous avons souhaité que tout groupe, quel que soit le groupe là, que à chaque fois, vous toujours mettez intérêt de parti en second plan. C'est-à-dire que ça plus difficile. Oui, c'est facile. Mais nous-mêmes dans l'IADNP, c'est lui-même nous fait. Nous côté privé, nous tous nous dans le même bateau, nous tous nous dans l'avion. Écoutez, qui tout est dans first class, qu'on dit Dani Laferrière dit, j'ai les bombes dans pété, ou pour aller, ou à mourir tout. Avion à tomber. Donc, vous obligez, même par instinct de survie, pour propre tête pas, vous obligez de mon côté pour dire ah non. Écoutez, faut que nous allions vers l'intérêt national. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, sans pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.